make it fun. Then we must up the pace, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Sparrow. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Photoshop CS6, qui marche, je pense, bien entendu, sur CS5. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous apprendre à modifier légèrement une image avec l'outil tampon. Alors, bien entendu, quand je dis l'outil tampon, ce n'est pas l'outil tampon que les femmes utilisent, hein. C'est l'outil tampon sur Photoshop. Donc, on va déjà créer une nouvelle image. Si vous êtes sur ce tutoriel, je suppose que c'est parce que vous avez besoin de savoir utiliser l'outil tampon. Donc, l'outil tampon, déjà, il sert à quoi? Il sert tout simplement à repasser une certaine zone d'une image sur une autre, afin d'éviter de faire des copier-coller un peu dégueulasses. Pour faire plus simple, je vais vous montrer tout de suite sur ceci. On va prendre de préférence une image qui a de l'écriture, tiens. Qui a une police sur elle, un droit d'auteur tout simplement. Je sais que j'en ai. Ou ça, je sais pas. Alors on va tout simplement prendre l'image de mon speed art que j'ai fait récemment. Donc vous voyez l'image qui est là, voilà. Et ce que vous allez faire en tout premier, vous allez re-aller sur le calque qui est là de l'image et vous faites clic droit et pixeliser le calque. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner l'outil tampon qui est là. En dessous de l'outil pinceau et au-dessus de l'outil forme d'historique. Donc qui ressemble tout simplement à un tampon, quoi. Et vous sélectionnez bien entendu tampon de duplication. Une fois que c'est fait, vous avez votre image ici. Par exemple, je veux effacer le Far Cry 3 qui est ici, qui, je comprends, peut être quelque chose d'embêtant, par exemple pour un speed art, une image, un cadeau ou ce que vous voulez. Voilà. Donc ce que vous allez faire, ce que je vais faire moi, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt, je vais rester appuyé. Et je vais cliquer sur la zone où il y a les feuilles, là, juste au-dessus, juste autour du Far Cry 3. Donc je vais cliquer ici, voilà, donc j'ai fait clic gauche en même temps du Alt. Et je vais repasser une fois sur le Far Cry, voilà. Je vais ensuite aller de l'autre côté et incruster par là, histoire qu'on n'aime pas, on n'ait pas la même feuille, hein, un peu partout sur l'image. Donc vous voyez que au fur et à mesure, ça disparaît tout doucement. C'est franchement pas dégueulasse, alors par contre il faut faire gaffe à ne pas repasser sur le Far Cry 3 d'origine, sinon vous allez encore, par exemple ici, je sais pas où est le Far Cry, bon, c'est pas grave, voilà. Donc et là, vous voyez que l'image, le Far Cry 3 est parti, sans pour autant faire un copier-coller dégueulasse. Qu'est-ce que j'appelle un copier-coller dégueulasse? C'est tout simplement faire un copier-coller, un copier-coller comme ça, à peu près. Bon là, c'est vraiment abusé ce que je fais, mais... un copier-coller à peu près comme ça. Voilà, là c'est un copier-coller qui vraiment n'est pas très esthétique, hein. C'est vraiment assez flou. Alors qu'avec l'outil tampon, comme vous l'avez vu, c'est plutôt relativement propre. Je viens carrément d'enlever l'image. Voilà, c'est plutôt relativement propre et ça permet... non, je ne veux pas faire ça. Ça permet de pouvoir faire un montage, relativement propre, entre guillemets. Voilà, par contre, il faut bien rester dans l'image pour pas avoir de... Voilà. Donc voilà, donc c'était un tout petit tuto pour apprendre à utiliser l'outil tampon pour incruster quelque chose ou autre, ou effacer tout simplement une police d'écriture comme je viens de vous le montrer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous très bien, et mon Skype et mon Twitter sont dans la description. Un like si vous avez aimé, un like si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Une question ou un commentaire dans la section commentaires, et portez-vous très bien. Allez, ciao les gens.